clôt complètement ce chapitre, le secrétariat général du KDDMJ invite tous les membres du conseil central du KDDMJ à prendre massivement part à la session extraordinaire du conseil central du KDDMJ qui aura lieu demain dimanche 21 novembre 2010 à 12h à la Congolaise Ampila. En culture pour terminer, Daimax, le rappeur américain, livrera un spectacle hip-hop au mémorial. Peu avant cet événement, Daimax a animé une conférence de presse. El Chevri Diaz a assisté. Côte d'Ivoire, Sénégal, Comores et aujourd'hui Congo-Brazzaville, c'est le 11e pays du continent africain qu'il foule, question de faire bouger les foules, celle des accros du rap et du hip-hop. Âgé de 38 ans, il est né dans le Bronx aux USA. Son nom au départ est Joe Wayne Edmonston Roberts. Mais depuis qu'il rappe, on l'appelle Dynamax. Boys, the sisters of the globe, they have no choice. Harriet Tubman led us through the underground. So respect the goddess now, Rosa Parks. En live ce dimanche soir au mémorial Pierre Savonnat de Brazza, l'artiste américain étalera sa discographie en harmonisant rimes et flow. Et même son expérience en tant que MC et disque jockey, il la partagera aux Brazzavillois qui seront au rendez-vous. Il a au passage salué, je cite, le niveau très élevé du hip-hop congolais avant de s'expliquer sur le sens du partenariat ayant abouti à son spectacle. To be here, you know, for the memorial, Pierre Savoyan de Brazza. Je suis vraiment très honoré d'être ici, d'être accueilli par le mémorial Savoyan de Brazza. Et j'invite tout le monde à prendre part à la fête dimanche. Le partenariat avec le mémorial est un partenariat exceptionnel. J'ai mis l'accent sur le Brazza pour le comparer avec Gandhi et Martin Luther King. Dès son arrivée à Brazzaville, Dynamax, qui est aussi patron d'un label de production, a rencontré une trentaine d'artistes hip-hop de Brazzaville à travers quelques ateliers. Fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain.